Écoutez pas tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je disais que je devais faire une série de vidéos pour expliquer quelques petits pièges dans lesquels nous sommes tombés, parce que nos parents également étaient tombés dans ces pièges et nous ne devons pas induire nos enfants dans ces mêmes pièges. Et comme je le disais, nous avons pour obligation, nous les Kamites, d'être riches, d'être extrêmement riches. Et puis, la richesse, c'est vrai, nous sommes allés à l'école, mais on ne nous apprend pas l'ABC de la richesse. On ne nous apprend pas comment devenir riche. On nous conditionne plutôt à devenir des subalternes, des travailleurs, des esclaves. Et puis, nous devons sortir de ce circuit. Nous avons tous droit et nous devons être riches. Je dis c'est une obligation pour le peuple kamite. Nous devons être riches. C'est essentiel. Tant que nous serons là à travailler pour les gens, nous demeurerons comme on dit chez nous, les sous-fifres. Ça se voit dans nos rues. Ça se voit partout. C'est le kamite qui doit balayer les rues. C'est le kamite qui doit vider la poubelle. C'est le kamite qui doit nettoyer les toilettes. C'est le kamite qui doit faire les boulots de basse besogne. Je comprends certaines personnes. On a demandé à certaines personnes d'aimer leur travail. On leur a suggéré d'aimer l'esclavage. Et ils en sont fiers. Mais moi, je vous le dis, il n'y a aucune fierté à être un esclave. Il n'y a aucune fierté à dire que je balaie les rues. Non. Moi, je dis non, non et non. Nous devons plutôt être fiers de dire j'emploie des gens. Des gens travaillent pour moi. Nous devons plutôt avoir cette fierté. Au lieu d'être fiers d'être un subalterne. On nous a suggéré cette subalternité. Et au point où nous en vantons. Ce que nous ne comprenons parfois pas, c'est que ceux qui sont derrière ces slogans, c'est des entrepreneurs. Ils vont embaucher des psychologues qui vont écrire des livres. Parce que plus ils parleront de comment aimer son travail, comment aimer être esclave, nous lisons ces livres ou bien on nous pompe sa longueur de journée dans les médias et nous sommes fiers d'être esclaves. Nous faisons ça une fierté. Et comme je disais, nous ne devons plus donner ce genre de conseils. Pour sortir de ce système, nous devons plutôt nous arranger à faire en sorte que nos enfants ne tombent pas dans ces pièges. Nous devons arrêter avec les conseils comme quoi mon fils, il faut aller à l'école, avoir de bonnes notes, avoir des diplômes et travailler. C'est trop risqué. Ça, c'est trop risqué pour cette époque. Nous devons avoir des nouvelles façons d'éduquer nos enfants. Nous devons. Le monde avance. On doit avoir des méthodes beaucoup plus nuancées. Des méthodes beaucoup plus dissuasives, des idées différentes. Comment éduquer nos enfants? Je disais hier, la dernière fois, que nous sommes allés à l'école, une école qui existe depuis pratiquement, je suppose, combien de centaines d'années. Mais le système est le même. Pendant que le monde avance, le système reste le même. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas continuer dans un système qui est vieilli. Nous devons nous adapter à de nouvelles méthodes. L'école n'enseigne pas le béaba à l'enfant, des finances, non. Nous devons préparer nos enfants à affronter ce monde qui est beaucoup plus axé sur la dépense. On apprend plutôt comment dépenser, on n'apprend pas comment faire des épargnes. Nos enfants à qui on remet des cartes de crédit, on les apprend à créer des comptes bancaires, mais on devait d'abord les apprendre comment faire les épargnes, comment épargner de l'argent. Mais on les enseigne plutôt comment faire des dépenses. Nous avons des cas partants. Parfois, nous sommes pulvérisés par des publicités. Il y a des fois où nous entrons dans le supermarché, nous achetons des choses qui ne nous servent à rien. C'est une fois à la maison qu'on se rend compte que maintenant, on a acheté ça pourquoi? Parce que on nous suggère les dépenses. On nous suggère de dépenser. On ne nous apprend pas comment épargner de l'argent ou bien comment investir de l'argent. Donc, comme je disais, nous devons prendre l'ABC de la finance à nos enfants. Les rudiments de l'argent. C'est eux notre avenir de demain.
Si nous ne les apprenons pas ça aujourd'hui, ils tomberont dans le même piège que nous sommes tombés. Et en tant que parent, je ne pense pas qu'un parent, ce qu'il voudrait, c'est de voir son enfant tomber dans le piège dans lequel il est tombé. Nous sommes assez avisés aujourd'hui. Nous sommes avisés. Je le disais la dernière fois que ceux qui ont compris, c'est ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, c'est parce qu'ils ont eu le code. Ils ont été avisés. La plupart des temps, c'est leurs parents qui leur ont inculqué. Et ceux qui n'ont pas été inculqués par les parents ont fait des recherches, ils sont tombés dessus. Certains, c'est même par hasard. C'est même par hasard. Comme par exemple, je vous donne ce conseil aujourd'hui. Je conseillerais de plutôt m'écouter. Il faut m'écouter jusqu'au bout. J'en suis certain, à la fin, vous comprendrez beaucoup de choses. Faut pas se dire non, il raconte n'importe quoi. Écoutez quand même. Écoutez. On ne perd rien à écouter. Et je vais donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. On nous a enseigné d'aller à l'école. On va à l'école, on bosse dur, on a des diplômes, on finit. Et on va s'asseoir en tant que chômeur, on fait une demande de travail, parfois d'emploi à quelqu'un, parfois qui n'a même pas notre niveau éducatif ou bien intellectuel. Bon, on va quand même, on bosse. Lorsqu'on bosse, on a un bon boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On est jeune, on a de l'argent, on sort, on va en boîte, on rencontre des amis, parfois on rencontre une femme qu'on épouse. Et puis, le système est tellement bien rodé que celui qui détient, il détient tout en même temps. On te met dans un système, on te dit, mais Joe, voilà, tu, monsieur, vous venez de sortir, vous êtes peut-être architecte, vous êtes médecin, vous ne devrez pas vivre n'importe où. On vous met une maison à disposition, on te fait crédit d'une maison. On dit, mais normalement, pour un avocat de votre talent, vous avez fait des années d'études, on te met un véhicule à disposition. Tu as une maison à crédit, tu as un véhicule à crédit, tu as des cartes de crédit, des banques te proposent même des crédits. Mais attendez, tu trouves une belle femme, elle aussi, elle a fini ses études, peut-être elle est médecin comme toi. Vous rentrez, vous dites, bon voilà, notre cadre social, notre niveau, notre rang social ne nous permet plus de vivre dans n'importe quoi. On doit avoir une grande maison avec piscine, villa, gardien. Mais tout ça à crédit. Le problème, c'est que on le fait impressionner nos amis. On nous enseigne à impressionner les gens. Lorsqu'un ami viendra chez nous, il verra une gloire. J'étais chez Paul, mais il a une grande maison, il a ceci dans sa maison. On s'arrange à faire le tour de notre domaine, montrer à nos enfants. Mais c'est des choses qui nous sont endettées, ça ne nous appartient pas. Puisqu'on nous a mis dans le système qu'il faut qu'on se fasse voir dans le paraître, on s'endette pour paraître. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Comment tu peux t'endetter pour paraître? Ça ne t'appartient pas. Le propriétaire se fâche, il va prendre. Mais puisqu'on ne veut pas tomber dans la honte, on est obligé de bosser dur. Ça fait que ce jeune couple, ils vont bosser dur. Voilà, le premier fils doit venir, ça les demande de bosser plus dur. Le deuxième fils vient, ça les demande encore de travailler beau davantage. Certains parfois vont rentrer même à l'école pour avoir plus de compétences, pour travailler encore plus dur. Et puis, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont tellement de dettes à payer et à l'éducation des enfants à prendre en charge. Et eux-mêmes, ils doivent se prendre en charge. Ils sont obligés parfois de prendre un second travail. Ça veut dire qu'il devient deux fois esclave. Il a deux maîtres différents. Mais attends. Comment tu peux accepter de vouloir être esclave de deux personnes? Mais puisque le mec, il ne comprend pas, c'est un système dans lequel il est dedans. Ses parents étaient dedans. Et puis ses parents qui lui ont conseillé, il est dedans. Qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil à ses enfants? C'est mes enfants vraiment dans la vie. Il faut bosser dur. Il faut fréquenter. Avoir des diplômes. Parce que c'est ce qu'on lui a donné. Et puis il ne connaît plus d'autre. Il n'a rien d'autre que de bosser. À un moment donné, le monsieur se retrouve dans une situation où il va se retrouver en train de travailler jusqu'à peut-être 70 ans. Parce qu'il a une dette. On lui a donné une maison qu'il demande de payer pendant 30 ans. Ça veut dire que tu finis des études, on suppose, à 25 ans. Tu n'as même pas le temps de jouir de ta vie. Tu rentres dans le système de dette. Tu payes les dettes, les enfants sont rentrés dans la vie, tu deviens un adulte. Et puis, tu te retrouves parfois même endetté pour envoyer tes enfants à l'école. Tu les envoies à l'école. Lorsqu'ils finissent l'école, toi, tu es pratiquement, comme on dit, KO. Tu te retrouves à 70 ans, après avoir, on t'a pressé comme du citron. Quand il n'y a plus de jus, on te balance. Le processus s'enchaîne sur ton enfant. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, on nous arrange, on fait en sorte que, on nous suggère
d'être heureux. On nous suggère le bonheur. Nous croyons que nous avons eu une vie heureuse. Mais parfois, même celui-là, lorsque ce monsieur décède, le grand lec, ou bien l'héritage qu'il laisse à ses enfants, c'est des dettes. Parce qu'il n'a pas fini les traites, l'hypothèque de la maison. La voiture n'a pas fini. Il y a des choses qu'il avait entamées qui n'ont pas fini. Ses enfants se trouvent endettés. Donc le pauvre, même dans tout, après tout cela, il a le plus meilleur cadeau qu'il ouvre à ses enfants, c'est une dette. Donc comme quoi, je disais, apprenons à nos enfants plutôt à être avisés. Nous devons leur apprendre à être avisés. Ne léguons pas des dettes à nos enfants. À défaut, si nous sommes déjà dedans, ne leur faisons pas léguer des dettes à leurs enfants. Parce que je ne pense pas que l'investissement que nous faisons, ce n'est pas pour le week-end. C'est sur des générations que nous devons investir. Nous devons investir sur des générations. C'est comme ça que les gens avisent. C'est comme ça que les gens avisés agissent. Certains noirs n'ont pas compris ça. Eux, on s'arrange à plutôt investir dans l'immédiat. Dans le paraître. Il faut qu'on me voit appeler le dernier, je ne sais pas, la dernière. Je ne vais même pas citer le nom pour ne pas faire de fausses publicités. D'avoir la dernière marque. On investit dans le passif. On bosse dur pour aller acheter des choses qui ne nous servent à rien. Et puis nous introduisons nos enfants dans ça. On va voir des enfants, petits enfants, on va l'habiller en disant que c'est une certaine marque. On prend les photos. On pense qu'on est fiers. Nous n'avons pas à être fiers de ça. Prenez plutôt cet enfant, cet argent. Faites un petit business. Entraînez cet enfant dans ce domaine. Apprenez l'enfant à développer dans ce business. Et puis, au lieu de dire à nos enfants de fréquenter pour travailler, ou bien fréquenter pour avoir un bon travail, fréquenter pour avoir travailler dans une bonne société, je conseillerais plutôt de dire à nos enfants d'aller à l'école pour créer son entreprise. Ça, c'est un meilleur conseil. Au lieu de conseiller à l'enfant de fréquenter pour devenir esclave, demande à l'enfant de fréquenter pour devenir maître esclave. Qu'il fréquente pour acheter une entreprise. C'est encore mieux. On prépare le mental de l'enfant dans ce sens. C'est encore mieux. Au lieu de dire à notre enfant, à nos enfants, de fréquenter, et puis au lieu de prendre l'argent pour investir, de lui demander d'être avisé, je conseillerais plutôt de dire à l'enfant de fréquenter et embaucher des gens avisés. Ces gens vont plutôt travailler de l'argent pour lui. Les gens avisés vont travailler de l'argent. Ne demandez pas d'être avisé, parce que quand vous demandez d'être avisé, vous demandez d'avoir peur, de ne pas investir, de ne pas se jeter dans la vie, de ne pas prendre des risques. Parce qu'on a bien l'habitude. Non, mon fils ne prend pas les risques, c'est pas bon, il ne prend pas les risques. Mais c'est tant mieux. Comment on peut demander de ne pas prendre les risques? Il doit être avisé. Il doit plutôt employer des gens qui sont avisés. Ces gens-là vont lui montrer comment faire pour avoir de l'argent, comment faire pour être riche. C'est ce que nous devons montrer à nos enfants. C'est ce que nous devons faire. Nous avons l'habitude de dire à nos enfants, nous avons hérité ça par nos églises et autres. Nous avons eu l'habitude de dire à nos enfants de ne pas trop aimer l'argent. Parce que si on aime trop l'argent, c'est la racine de tous les maux. Par contre, moi je dirais plutôt de dire à nos enfants que c'est plutôt le manque d'argent qui est la racine des maux. Donc on doit avoir de l'argent. Je m'explique. On nous apprend, on nous suggère la peur de l'argent. On nous suggère avoir peur de ne pas aimer l'argent. Je ne demande pas d'adorer l'argent. Mais au contraire, au lieu de demander à l'enfant de ne pas aimer, quand on demande de ne pas aimer, ça fait que le même qu'il a même, il dépense, il balance dans la poche. Parce qu'on lui a dit de ne pas aimer, de ne mettre aucun attachement. Mais au contraire, nous devons plutôt éduquer nos enfants comment avoir de l'argent et puis leur montrer que c'est, si tu n'as pas d'argent, tu auras plus de problèmes dans la vie. Tu n'auras pas d'argent, il y a des problèmes que tu ne pourras pas résoudre. Cultivons ça plutôt nos enfants. C'est ce que nous devons cultiver dans notre tête, dans le mental de nos enfants. Parfois, j'ai eu à remarquez cela, on a des parents, un enfant par exemple demande quelque chose à son parent, le papa dit voilà, ou bien la maman dit mes moyens ne me permettent pas de l'avoir. Ça c'est grave.
au lieu de dire à nos enfants que mes moyens ne permettent pas de l'avoir, disons plutôt à nos enfants, comment faire pour me l'offrir? C'est encore mieux. Parce que quand vous dites comme je ne peux pas, vous mettez la négation. Ça veut dire que vous-même, vous vous bloquez déjà psychologiquement. Vous mettez une barrière entre cette chose et vous. Pourtant, cette chose est faite pour les plus. C'est pour des hommes comme toi et moi. Vous passez dans une vitrine, vous voyez à la fois, dans une fois, vous voyez des véhicules, vous voyez un véhicule qui vous plaît. Mais vous vous dites, mes moyens ne me permettent pas de les avoir, de l'avoir. Ça, c'est faux débat. Dites-vous plutôt, comment faire pour me l'offrir? Une fois que vous rentrez dans ce processus, vous allez plutôt développer en vous des méthodes comment avoir de l'argent pour vous offrir cette chose. Au lieu de vous bloquer, dites non, je ne peux pas. Ça, c'est give up, comme les anglophones disent. You are give up, man. Don't give up. Non, il ne faut pas abandonner. Avant d'avoir commencé la bataille, tu as abandonné. Ça, c'est pas bon. Et puis, il y a des choses également que... nous avons cette habitude-là. Beaucoup de parents ont l'habitude de le faire. Nous passons le temps à câbler nos enfants. Un enfant, peut-être, viendra dire, papa, pourquoi tu n'es pas riche? Il va dire, je ne suis pas riche parce que vous êtes là. Mais ça, c'est grave. Au lieu de dire, je ne suis pas riche parce que vous êtes là, vous devez plutôt dire, oui, je sais, mon fils, je dois être riche à cause de vous. C'est encourageant. Même si vous ne le devez pas, vous ne le devenez pas. L'enfant comprend qu'il doit, lui, à son tour, être riche à cause de ses enfants. Mais si vous mettez le blâme sur lui, lui également, demain, il dira que, voilà, mes enfants, ils sont devenus pauvres à cause de vous. Non. Non. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête à ces quelques conseils. Il y a que quelques petits conseils que je vais dire. Et puis ça, c'est une dernière que je voulais dire également pour en finir aujourd'hui. Nous avons l'habitude de dire à nos enfants de ne pas prendre des risques. Ne prends pas les risques dans la vie. Au lieu de dire de ne pas prendre les risques, enseignons nos enfants plutôt comment gérer les risques. C'est essentiel. Comment gérer le risque? Au lieu de dire, ne prends pas les risques dans la vie, mon fils, ne prends pas tous les risques, c'est pas intéressant, c'est pas bien. Apprenons-le plutôt comment gérer les risques. Au top à tous, et j'espère qu'on se verra dans une prochaine vidéo et on a beaucoup d'autres choses à apprendre ensemble.